En signant ce document, l'ADP Maliba apporte son soutien aux actions du gouvernement et entend ainsi apporter sa contribution à l'édifice national. Cette décision du parti intervient après les assises du dialogue national inclusif. Le parti a estimé que sa participation pleine et entière au dialogue national inclusif l'engage à s'investir dans la mise en œuvre effective des recommandations pertinentes qui sont inscrites dans le rapport final public et à la rédaction duquel les délégués de l'ADP Maliba ont pleinement contribué. À ce titre, l'ADP Maliba ne saurait se soustraire de sa responsabilité dans la réussite du programme de sortie de crise proposé par le dialogue national. Cette responsabilité appelle à un dépassement de soi, à l'élimination des clivages politiques qui fragilisent les résultats positifs engagés. Le Premier ministre, Dr. Boubou Cissé, a apprécié la démarche. Il a souhaité la bienvenue à l'ADP Maliba et à ses dirigeants, un parti qui, selon le chef du gouvernement, occupe une place de choix sur l'échiquier politique et dont l'accompagnement peut être utile pour le pays. Nous pensons que c'est une force politique qui peut nous apporter énormément dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord politique de gouvernance. Donc nous nous en réjouissons beaucoup de leur arrivée. Nous pensons que cet accord est un accord qui constitue une opportunité unique pour notre pays, une opportunité de bâtir un Mali nouveau, si on peut s'exprimer ainsi, un Mali fort, un Mali plus démocratique certainement, mais avant tout un Mali plus prospère. Plusieurs partis sont déjà signataires de l'accord politique de gouvernance. Le gouvernement reste ouvert à toute adhésion allant dans le sens de l'intérêt du Mali.